village n'a plus la population comme au temps d'antan. La population est considérablement réduite. Exode rural, c'est le fait pour les villageois d'abandonner leur village pour aller chercher du travail en ville. Ces communautés se sentent mises de côté dans le développement du Gabon. C'est une question qui va toucher à des problèmes de droit foncier, des problèmes d'approvisionnement alimentaire, des problèmes sanitaires, et tout ça à travers le biais de la faune sauvage. L'objectif du projet, c'est d'aider les communautés que vous êtes à pouvoir continuer de faire la chasse et vivre de la chasse. Mais une chasse durable. Il ne faut pas que les animaux finissent en forêt. Beaucoup de gens vivent de l'activité chasse au village. Il y en a qui nourrissent leurs enfants avec. Leur amener à bien gérer, c'est bien, mais il y a des contraintes dans cette gestion-là et c'est la loi. Ici au Gabon, toutes les ressources naturelles appartiennent au gouvernement. Et le gouvernement donne des droits à certains acteurs pour les utiliser. Le projet se retrouve entre les deux, entre les communautés d'un côté et le gouvernement de l'autre. On aide les communautés à développer des outils qui donnent les garanties au gouvernement. Et on aide le gouvernement à construire le cadre légal qui permet de donner les droits aux communautés pour le faire. Le rôle du groupe de travail sur la chasse et la commercialisation de la faune sauvage est essentiellement d'accompagner l'administration dans l'analyse, les prises de décision, de proposer des solutions pour aboutir à une gestion durable de la faune sauvage et notamment de la chasse. Ce que je voudrais voir dans 3 ans, c'est vraiment de voir que la réglementation puisse changer, qu'on puisse prendre en compte la vie des communautés et adapter ça à leur vie réelle. Les viandes sauvages sont des portes d'entrée importantes pour des agents pathogènes, virus, bactéries ou autres, qui passent des animaux sauvages aux hommes et qui peuvent provoquer des épidémies graves. Mais les consommateurs ne se rendent pas bien compte de ce risque. Le projet a établi des conventions avec des partenaires techniques. Le CIRMF particulièrement, qui accompagne le projet dans le cadre de la mise en place du système de surveillance des maladies. Nous, on a tout un réseau de chasseurs, de commerçants de viande de brousse qui travaillent ici à Mulundu. Et l'idée, c'est de travailler ensemble de telle manière à ce que des prélèvements puissent être faits très en amont de la filière pour que on puisse tester les viandes, savoir quels sont les agents pathogènes à l'intérieur, quels sont les risques qui sont liés à ça, et qu'on puisse réagir rapidement si jamais on voit arriver quelque chose qui pose problème. Nous avons organisé des séances de jeu avec des regroupements de chasseurs dans l'objectif de pouvoir attirer leur attention, les sensibiliser sur les zoonoses. Il était important que ce jeu puisse nous apporter des informations qui montrent que, un, les chasseurs comprennent bien les enjeux, deuxièmement, qu'ils sont prêts à participer à la mise en œuvre d'un programme qui va les inclure, parce que c'est un programme de surveillance participatif. Un bon futur, oui, bien sûr. C'est ce qu'on espère, c'est que demain, on puisse avoir des populations qui s'engagent dans la gestion durable pour que dans 20 ans, dans 30 ans, on puisse avoir toujours les mêmes espèces de faune sauvage qui soient disponibles pour les populations qui seront là dans 20-30 ans et ainsi de suite.